Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 38e épisode de Suikoden 2. On se retrouve là où on s'était arrêté dans le 37e épisode. J'avais dû recharger ma sauvegarde et j'ai refait la petite bataille assez rapidement, donc il n'y a pas de souci. Et donc on reprend après notre. Si je me souviens bien. Enfin, oui. C'était Lord Ridley qui nous avait fait faux bond durant une bataille. Donc c'est pas très sympa quand même, hein, faut le dire. Alors, et à propos du Lord Ridley, les mauvaises habitudes de l'armée de l'État se révèlent d'elles-mêmes. Ah, vous étiez si arrogant, vous ne voulez pas mourir? Sans l'aide de Two River, nous ne faisons pas le poids devant la force de Kippa. Ce n'est pas le moment d'attaquer Ridley. Il nous faut une stratégie pour affaiblir Kippa. Que tout le monde se repose. Le reste me regarde. Seigneur Ryu, vous devriez vous aussi vous reposer. Vous reposez vous aussi. Bon, c'est la fête. Mais. Pouah. Décidément, mais... Bon. On va laisser reposer alors, hein, si c'est gentiment demandé. Ah. Non, il n'y a plus de musique. Pour une musique. Bon bah. Troisième étage. Oh là là, ça va. J'ai entendu dire que c'était perdu d'avance. Alors on reprend tes esprits dans la guerre. C'est le dernier qui reste debout qui gagne. Allez, à tout à l'heure. Jillia, tu es sûr que c'est ce que tu veux? Oui, je le prendrai pour époux. Dans ce cas, tu as ma permission. Le roi d'Island, Agares Blight. Princesse Jillia, par ici s'il vous plaît. Le serment du chevalier doit se prêter entre le chevalier, le roi et un témoin, c'est tout. Je déclare solennellement que vous, Joey Atreides, êtes promu chevalier du royaume de Rayland. Moi, Joey Atreides, jure fidélité éternelle au roi Agares Blight de Rayland et scelle ce serment de mon sang. En tant que témoin, je reconnais le vin de la fidélité. Il a bon goût. Prenez mon sang en gage de loyauté. Bloup. Chevalier Joey Atreides, ainsi que votre sang s'ajoute au mien, vous êtes ajouté à la force vitale de l'armée d'Island. En tant que chevalier, loyalement attaché au royaume d'Island et à la famille royale des Blight, je vous demande de... Roi Agares. Mais qu'est-ce que... Appelez le médecin du roi. Ceci est du poison, mais... Si tu avais planifié, mais... Comment? Ouais, cela fut difficile. Tu es difficile à attraper. Tu ne bois jamais une gorgée d'eau sans la faire tester. Mais j'ai enfin réussi à retirer le dernier poids qui me gênait. Tu aurais tué ton père de tes propres mains. Vieux fou, comment oses-tu te prétendre père? Tu n'as pas su protéger ta propre femme, tu es un lâche qui a fait la paix avec un pays de chiens. Qu'est-ce que tu dis? Qui n'a pas bougé face au cruel déshonneur de ma mère et moi? Qui tremblait sur le trône quand nous fûmes finalement sauvés par les gardes impériaux?
Voilà votre châtiment, vieillard. Vous êtes condamné à mort. Il ne me reste qu'à balayer les impurs de cette planète. Le monde doit être assaini. Arrête et Sarah. Toi, tu n'as pas le droit de prononcer ce nom. Mais on ne prononcera plus maintenant. Bien joué, Joey. Voilà le dernier chevalier à avoir prêté serment à Agares. Je... Quelle idée de génie, boire tous les jours des antitoxines et vous empoisonner. Père, ouvrez les yeux, père. Ce n'est pas la peine, il ne doit plus respirer. Il ne doit déjà plus respirer. Frère, tu n'as pas... Pourquoi pleures-tu, Julia? Cet homme n'était même pas ton père. Ah bah c'est sympa les réunions familiales chez les Blight. Hein. C'est pas du tout tendu comme situation. Bon, chez nous ça donne quoi? Yo! Déjà debout, yo! En même temps, le pauvre quoi, le pauvre Ryu, tous les matins, il se lève, il y a toujours quelqu'un qui est face à lui, en train de le regarder comme un psychopathe. Enfin, je veux dire, tous les matins, il se fout les jetons, quoi. Il peut pas dormir tranquille. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a au programme? J'aurais peut-être pas dû y aller maintenant. Ah, c'est pas grave. Si. Le recrutement, ça donnera. Bien, tout le monde est ici. Bien, monsieur le stratège, avez-vous un plan? Apple. Exposer la situation. L'armée de Highland a quitté South Window et se dirige vers notre château. Sans doute un assaut frontal comme avant. Il n'a qu'un seul tour dans son sac. Nous allons laisser la moitié de notre armée derrière. Le seigneur Ryu la conduira comme notre unité principale. L'autre moitié sera divisée en 4 unités dirigées par Victor, Flick, Tsai et Camus. Ils saigneront sur la gauche et la droite. Quand Kiba sera juste entre eux, ils se déploieront en éventail et l'encercleront. Si Kiba fait fi de notre embuscade et qu'il avance, serons-nous capables de l'arrêter avec notre petit nombre? Kiba et son fils ne pourront pas faire échouer mon plan. Vous êtes très sûr de vous, vous n'avez jamais fait de mauvais calculs? L'explication est terminée, Seigneur Ryu. Si tout est prêt, veuillez donner le signal de déploiement. Allons-y! Les seigneurs sont prêts. Oui, j'ai abrogé. Hein. Seigneur Ryu, essayez d'attirer le général Kiba sans bouger. Ce Ryu est vraiment courageux. Deux fois, il a osé nous affronter. Il est bien le fils de Gengaku. Sans Ridley, ils n'ont pas grande chance, mais... Qu'en penses-tu, Klaus? Ils ont sans doute tendu un guet-apens. Une unité à droite et une à gauche. Ils attaqueront quand nous serons plus prêts. Devons-nous aussi diviser nos forces et les prendre en tenaille? Le stratège Shu nous méprise, il croit sans doute que nous n'avons pas vu son guet-apens, c'est notre meilleure chance. Même si le guet-apens marche, dites aux hommes de ne pas faire attention et continuer. Battre Ryu et gagner. Votre stratégie est bonne. Donnez l'ordre de frapper comme le vent. Bien, attendons quelques... Je crois que de tête il a dit qu'il voulait attendre parce qu'il ne voulait pas se mouiller. Et ne pas se faire vaincre. En gros, toutes ces unités vont rester dans son coin. Ah, je t'attends. Bon, j'admets que c'est pas très... voilà, quoi. C'est pas très passionnant pour le moment. Mais bon, c'est la stratégie. Hein. Quand on tend un guet-apens, on va pouvoir frapper comme des sagouins devant. Puis de toute façon, à la vitesse où j'avance, il y aurait pour pas mal de tours. Allez,
Dépêchez-vous, c'est long. Encore un tour. Bon, donnez le signal. Chou, n'est-ce pas encore un peu prématuré? Non, c'est bien, donnez le signal. Bon, tout le monde à l'attaque! Par mon épée Uria, je n'ai que dit que de la merde. Par mon épée Uria, nous allons diviser l'ennemi. C'était donc bien inquiétant. Tout le monde en avant, visez leur unité principale. Ce sera votre erreur la plus fatale que de faire fi de notre armée. J'ai rien dit. Tout le monde, sauvez-vous! Fly, you fools! Pourquoi c'est une idée de Victor qu'en haut quand j'aurais pu faire tellement un bon coup avec la lance de feu? Oh, tant pis. Alors, du coup, on va jouer ça bien. C'est notre meilleure attaque possible. Ouais, génial. Ouais. Ah, j'en touche aucun. C'est moche parce que. Il est quand même bien vulnérable et ça me gêne un peu de le mettre en avant. Un petit coup de rune. Bombardement! Ouais, d'accord, ok, merci. Ouais, c'est bon. Arrêtez, c'est pour faire de la merde en plus. On a vu, c'est pas possible. Pourquoi tu. Ouais, t'es à chaque coup, toi, pour ça. Victor, oui, Victor, voilà. Merde, quoi. Allez, je prends le risque, on verra bien ce que ça donnera. Magie du vent. Attaque. Allez, sérieusement, mais. C'est pas possible. Bon bah, Victor, j'espère que t'as une bonne assurance. Alors, on dirait que les sauts de la Dailand sont surboostés. Ils ne vont pas céder sous nos lances. Ce qui ne m'arrange pas particulièrement. Non, non. Bon, il faut juste que Victor résiste à ce tour. Ce serait. Allez, on doutait ça. Ouais, ça c'était. Bon, ça, j'avoue que j'ai pris un risque. Qui n'était pas du tout. Intelligent. Oh là là. Oh là là, mon dieu. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. C'est un fiasco. Ils m'ont eu. Ah, pardon, j'ai absolument rien lu. J'étais concentré. J'ai peur qu'il soit vraiment invincible pour le coup. Auto-réparation. Après la bataille, j'irai voir sur la tablette de la destinée si un quelconque nom est grisé. En principe, généralement, quand un officier ou un personnage meurt, c'est quand même relativement bien affiché. Enfin, je dirais à l'écran, enfin pendant la bataille. Oula. Pendant la bataille, le personnage a une petite citation avant de mourir. Allez, oui, c'est bien Luc.
je n'ai plus de lance de feu. C'est la merde. En toute honnêteté, c'est quand même un peu la merde. Donc il faut s'aviser quoi. Bon, maintenant mettez-les en pièces. Dispersez-vous, protégez Ryu. Tintin. C'est le moment, en avant toutes, ne laissez échapper aucun soldat de Highland. Seigneur Klaus, nous sommes attaqués sur tous les flancs. Que dites-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Que fait l'armée de Two River? Le plan marche et le reste dépend de toi, Apple. Oui. Ah ah. Bien, nous allons faire une... Alors... Ouais, c'est peut-être un peu exagéré comme... comme manœuvre, hein. Peut-être pas faire ça. Et du coup, lui, ce qui me dérange, c'est qu'il peut pas trop... Et je peux pas techniquement échapper à Kiba qui a une meilleure déplacement que moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réduire leur nombre. Et ça a marché. Alors, une unité en moins. Oui, c'est beau. Et oulala. Allez. C'est un magnifique revirement de situation. Et bim! Bon là par contre j'ai pas trop foi. Les petits kobolds, c'est pas non plus les meilleurs soldats. Hein. Bon. C'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Je pourrais utiliser ma magie de foudre. Et tenter de le... Non, je vais pas faire ça. Non, c'est pas bien. Non, je vais faire ça sur lui. Et voilà, de toute façon, ils s'en foutent, hein, parce que c'est vrai que la foudre ça fait pas mal. Hein. Putain. On va pas prendre de risques, on va attaquer ceux qui nous ont pas apporté. Et ça sera pas payé. Donc il y a Raoud qui fait son énorme... Qui fait un énorme coup de... Parapéticienne, voilà. Qui reste dans son coin. Oh, putain, je fais désinguer les petits kobolds. C'est con. Ah. Ah, c'est bien. Ça veut dire que au prochain tour, je pourrais attaquer, du coup. C'est ce que j'attendais comme opportunité, pardon. Je peux pas reculer, par contre. Je peux pas retourner dans la forêt. Bah, magie du vent, hein. Écoute. Ah, je suis tenté dans... Et ça fait rien du tout, putain, pourquoi ça fait rien? Allez, on va se faire mieux. Ça serait bien qu'il y ait un petit bonus quand on attaque un ennemi en tenaille. Que bah justement l'ennemi... On a sacrifié nos kobolds, mais c'était pour la bonne cause. Désolé les petits. Vous avez bien travaillé. Salut. Bon, ok. Gilbert. Allez, Gilbert, fais un effort quand même. On fait une attaque full frontale. Je savais que ça allait marcher. C'est ça qui est bon. Voilà, par contre. Allez. Tu ne le sais pas encore, mais tu as déjà perdu. Bon, alors là, pour le coup, le problème, c'est qu'un cavalier peut se déplacer en diagonale, et du coup, elle sera portée. Et je suppose qu'elle ne survivrait pas. Ça m'embête quand même, parce que j'ai déjà pris le risque avec Victor. C'est un peu gaspillé, mais tant pis.
Alors, qu'allez-vous faire, Kibel? Pensez-vous pouvoir toujours gagner? Pauvre fou. Votre défaite est déjà... Déjà là, voilà. Toi, tu vas t'éloigner parce que tu prends beaucoup trop de risques à être devant. Ça, ne sert absolument à rien, c'est odieux. Ah, parfait. Bah non, pas parfait, non. Non, on reste là. Ah, d'accord. Merci pour cette intervention, les petits. Coucou les enfants. J'attends. Ouais. Ça passe pas. Ça passe pas. Oh là là. Le vent a encore tourné, je crois. Ce n'est plus trop en ma faveur. Et puis je doute que d'ici à moins qu'elle ne déclenche un critique de la mort. Non. J'ai pas trop d'espoir. En même temps, vu les stats de Kiba, c'est un peu du vol. Hein. Je suis désolé quand même moi mes meilleures unités ont à peine leurs deux stats. Pardon. On appelle leur de stats au-dessus de 10 et que lui a 16 de défense. Par contre, il est sympa, il a pas attaqué l'unité qui était déjà mal en point. Attends, est-ce que tu peux faire une petite réparation toi-même? Non, tu peux pas faire une réparation toi-même. Bah, soigne. Et puis on va attendre parce que... Allez! Vraiment? Sérieux? Allez, pas aller dessus. Voilà, bah voilà, faut sacrifier des kobolds à chaque fois. C'est injuste. Pouf! Bon. Acceptez-vous de vous rendre? Je fais juste des attaques à distance. Parce que je me dis que si je fais une attaque de front avec une unité que je perds, que Kibar attaque la même et la tue, bah ça sera la merde. Fin de tour, fin de tour. Fin de tour. Okay. Donc je préfère jouer la sécurité. Je vais faire remonter Ridley. Dans la mesure où Luke peut soigner. Nous sommes massacrés, mais que fait donc la quatrième compagnie? Seigneur Aud, le seigneur Kibel est encerclé et a besoin d'aide immédiatement. Oui, attendons, un peu, la précipitation gâche tout, vous savez. Oh, les voilà. Ordre du seigneur Luke Ablight, roi de Highland. Vous feriez mieux de me suivre immédiatement. Oui, bien. Toutes les troupes, retraite. Retraite générale. Mais seigneur Kibel? Que dites-vous? Cet ordre vient du seigneur Kiba lui-même? Allez-vous lui désobéir? Le seigneur Lucas lui-même. Soit j'ai mal lu, soit c'était mal écrit. Non, ce n'est pas ça. Bloup. L'élève de Mathieu. Il y a bien longtemps. Bloup. La quatrième compagnie se retire. Quelle bêtise. Toi, faire ça maintenant. Père, pardonne-moi. Ma stratégie nous a perdus. Rendez-vous. Oui, victoire, victoire, victoire. Et sur cette... Ils ont perdu la volonté de se battre. Offrez-leur de capituler. Emmène Kiba et Klaus, son fils. Ne leur fais pas de mal. Et c'est sur cette victoire que nous allons nous quitter pour ce 38e épisode et nous retrouver dans le 39e. Allez, merci d'avoir vu la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, ça fait plaisir. Et à la prochaine!